tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le magnifique plateau de NCI Sport Live. Et ben, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi, oui, pour deux beaux rendez-vous. Alors oui, on a beaucoup de chance parce qu'on a un public en délire tous les jours ici. Parce que ce qui nous attend là, c'est chaud bouillant. Alors justement, la Côte d'Ivoire qui aborde un tournant décisif dans sa qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et en face d'elle, une équipe complètement décomplexée de la Guinée équatoriale. Ce sera dans quelques instants. Et nous allons en parler avec les consultants du jour qu'on va applaudir très fort. Bonsoir Nasser Eddy. Salut Tia. Comment ça va? Ben, très bien. Ouais. On est obligé d'avoir la pêche, d'envoyer des ondes positives à nos joueurs, à toute l'équipe nationale, parce qu'on a besoin de la victoire aujourd'hui. Absolument. Wilfried Kalon, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon, prêt également? Ouais, prêt. Ouais. Et puis Thierry Joël, ben, bonjour à vous. Salut Tia. Prêt? Ben, prêt pour écoutez, aller la chercher, cette victoire? Il faut aller la chercher, un après-midi de football. Voilà, on espère, au sorti des 90 minutes, on sera heureux. Et on espère être heureux, absolument. Bon, eh ben, qui dit fête, dit bien évidemment beaucoup de cadeaux à vous proposer depuis le début de cette compétition. Eh bien, ouais, tous les jours, on fait des heureux et des heureuses. Et on ne va pas déroger à la règle, non, puisque aujourd'hui, nous allons recevoir les gagnantes. Ouais, parce que ce sont deux femmes. Du jeu d'hier, eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande dans un premier temps d'accueillir Mélina Bakouka. Bonjour Mélina. Bonjour. Comment ça va? Allez, regardez la caméra, voilà, les téléspectateurs, la nation entière vous regarde et vous félicite puisque vous remportez une Apple Watch offerte par le groupe Porteo. Ça peut s'applaudir très fort. Alors, comment vous avez fait justement pour gagner? Expliquez-nous un petit peu. Ben, je regardais la télé. Et avec l'équipe où je travaille au restaurant. Et j'ai vu le jeu. Et donc j'ai joué. Et voilà. Et bien super. Et bien félicitations. Alors, merci. Votre Apple Watch va vous être remise par. Par qui? Par. Non, Thierry Joël, c'est vous? Oui, c'est vous. Allez, voilà, par la légende, Thierry Joël. Ah. Allez, voilà. Félicitations. Un petit mot? Merci beaucoup à NCI et à Porteo pour ce beau cadeau. Absolument. Allez. Merci beaucoup, Thierry. Alors, non, vous n'êtes pas seulement venu en rester à côté de moi puisque je vous avais annoncé deux gagnantes. Eh bien, oui. On va faire un maximum d'applaudissements pour Koye Ange Michel qui, elle, repart avec une très belle tablette iPad 12.9, s'il vous plaît. Ça s'applaudit très fort. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, et vous? Oui, bah écoutez, nous, ça va. Vous avez vu, c'est que du bonheur, que de la joie sur ce plateau. Merci beaucoup. Et on espère que la joie va se poursuivre jusqu'à tout à l'heure. Oui, bon. On espère. Alors, vous savez quoi? Vous avez la chance de recevoir cette très belle tablette des mains de Wilfried Kalon, qui se trouve juste derrière vous. Voilà. Un petit mot à l'endroit de tous les téléspectateurs, peut-être? J'encourage tous les Ivoiriens à jouer massivement. Et je dis merci à NCI et à Porteo pour ce magnifique cadeau. Et je suis très heureuse. Allez, on va vous accompagner avec plein d'applaudissements. Mesdames, bravo, félicitations à vous. Oui, on les applaudit très fort. Merci. Allez, on va se concentrer sur cette rencontre avec les premières images du côté d'Ebimpe. Ouais, comme ça, moi, ça va me permettre de m'asseoir. Et on va vous envoyer voilà, les premières images du côté d'Ebimpe. Voilà l'ambiance qu'il y a avec nos éléphants qui sont là, qui ont l'air très motivés, très déterminés, très concentrés également. Alors, Wilfried Kalon, à ce moment, quand on sait qu'on est dos au mur, qu'on n'a pas d'autre choix que d'arracher cette victoire, comment on se sent?
un peu stressé avant les matchs. C'est pour cela qu'on met la musique, on écoute du zouglou, il y a d'autres qui écoutent du rap, il y a d'autres qui écoutent du gospel. Donc en écoutant ce genre de musique, tu es déjà prêt, tu es déjà dans le match en fait. Et vous, à votre époque, vous écoutiez quoi? Moi, j'écoute du zouglou. D'accord. Ouais. Alors, on va écouter le coach Gassé là, et puis vous répondrez à cette question après. Dans toutes les poules, c'était serré et que tout le monde allait jouer un troisième match. Même si on est un petit peu jeune, pour devenir un grand joueur, il faut arriver à maîtriser des matchs comme ça. Vous ambitionnez d'arriver le plus loin possible dans cette compétition. Ça passe par un résultat ce soir face à la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de Côte d'Ivoire? On fait étape par étape. On s'est fixé comme objectif ce soir d'être qualifié. Et après, on verra le tirage du sort. Merci beaucoup. Alors, Thierry Joël, vous le sentez comment, le sélectionneur Gassé? Je pense qu'il est confiant. Il est confiant. Je vois qu'il a beaucoup d'ambition aussi. Parce que c'est un match très important pour nous. Et pour lui aussi également. Et pour nos jeunes frères. Mais tout à l'heure, sorti des... Enfin, quand on les a vus tout à l'heure dans le couloir, ils m'ont semblé être décontractés. Et ce genre de match, il faut être décontracté. C'est vrai, être concentré, mais être aussi décontracté. Il ne faut pas aller sur le terrain, voilà, l'effet d'avoir beaucoup de choses en tête pour ce match. Je pense que la décontraction mm-hmm. est bien, oui. voilà, pour qu'ils puissent rentrer dans le match mm-hmm. dès les premières minutes. Mm-hmm. Voilà. Alors surtout que le coach Gassé a annoncé le retour hein, de Haller et de Adingra. Bon, certains disent que c'est peut-être un petit peu tôt, vu leur état de santé. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Après, ce n'est pas à nous de juger. Hein. Mm-hmm. C'est le staff médical qui fait son boulot et qui valide ou pas la présence des joueurs sur la liste déjà et s'ils peuvent participer au match. Mais je ne pense pas qu'ils seront titulaires quand même dans ce match-là. Ils pourraient peut-être un ou les deux faire leur entrée en cours de match, même, mais ils ne débuteront pas, ça, j'en suis convaincu. Bon, eh bien, vous savez quoi, on va vérifier tout cela dans quelques instants avec la compo qui vous sera proposée par Malik et ses consultants, ouais, notamment, alors je vois qui? Je vois Didier Drogba, et puis qui? Bonnie Wilfried, voilà. Donc on va les retrouver juste après la pub. Eux, ils sont du côté des Bimpé, et nous, on se retrouvera en plateau à la mi-temps. À tout à l'heure. Finalement, voilà, on vous retrouve ici sur le plateau de NCI Sport Live. On espère pouvoir prendre la direction hein, des Bimpé dans quelques instants. Dès que la technique sera optimale, on vous promet qu'on va y aller. Et ben, nous, ça nous permet hein, également de continuer à parler de cette belle affiche Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire. Alors messieurs, parlons de cette Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale qui est leader provisoire hein, de cette poule A, après deux journées, donc avec 4 points. Le Nzalang National compte bien terminer en beauté hein, face à nos éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, on va se mettre un petit peu, si vous le voulez bien, dans la peau du sélectionneur hein, de la Guinée équatoriale. Alors, aux portes comme ça des huitièmes de finale, si vous étiez lui, est-ce que vous garderiez la même ossature ou bien vous procéderiez à ce qu'on appelle un turnover? Non, mais je pense qu'il va garder la même ossature, les mêmes joueurs, ceux qui ont joué les derniers matchs, mais tout en étant prudent, parce qu'il connaît la valeur aussi de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Qui est dos au mur cet après-midi. Donc pour moi, je pense que l'entraîneur il sera beaucoup, beaucoup prudent. Et comme il a des garçons qui vont très vite devant, mais ça va jouer dans la profondeur. Et puis voilà, essayer quand même de marquer un but. Quoi. Mm-hmm. Et justement, donc on voit hein, l'échauffement. L'échauffement des joueurs, hein, puisque ces images sont en train de nous parvenir directement des Bimpé. Donc là, ce sont nos éléphants hein, qui sont en train de se préparer voilà, pour un rendez-vous qui est quand même bah, crucial hein, pour eux et pour nous tous d'ailleurs, qui les soutenons. Hein, et on vous rappelle que bah, le faux pas est interdit hein, aujourd'hui pour espérer aller en huitième de finale. Alors, même question pour vous. Nasser, vous auriez gardé la même ossature là, si vous étiez sélectionneur de la Guinée équatoriale? Oui, je pense quand même, parce qu'il a une équipe qui est sur une bonne dynamique depuis le début de cette compétition. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est vrai, ils ont 4 points, mais ils ne sont pas encore mathématiquement qualifiés. Voilà, il y a quand même l'assurance d'une qualification à aller chercher aujourd'hui face aux éléphants. Et puis, par la même occasion, d'une pierre deux coups, c'est de marquer
un grand coup dans les esprits, voilà, d'envoyer un message fort à la concurrence et de se dire, c'est vrai, on est petit poussé, entre guillemets, en arrivant dans cette compétition, mais on a notre carte à jouer aussi. Absolument. Allez, on va pouvoir se rendre directement à Ebimpe et retrouver Malick Traoré, Didier Drogba et Wilfried Bony. Salut Tia, salut les amis en plateau, quel plaisir de vous retrouver. On est en direct du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe pour un match que l'on attend. On n'en dormait plus presque. Quel plaisir de retrouver ces éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Une victoire, rien d'autre, pour aller tout simplement en huitième de finale. Je suis bien accompagné, je compose un trident offensif avec à ma gauche Didier Drogba évidemment. Salut Didier. Salut Malick. Bagbadès, ça va, pas trop stressé quand même? Pas trop stressé, mais je pense que nos joueurs le sont un petit peu. On va en parler dans un instant, oui. Parce que vous déploriez le fait qu'il n'y ait pas eu une reconnaissance terrain et qu'on ne communique pas assez avec le public. Champion d'Afrique 2015, monsieur Wilfried Bony, la branche du Goyavier. Comment ça va? Ça va très bien. Quel plaisir également de vous avoir à nos côtés. Bon, vous êtes confiant ou pas? Oui, je suis confiant. Je pense qu'on va les battre. Très confiant et on va vous parler sans plus tarder du 11 de départ aligné par monsieur Jean-Louis Gasset. C'est un 3-5-2 aujourd'hui. Défense à 3, Bony, Indica... Avec Wilfried Sengo, on a fait le choix d'une défense à 3. En piston 3, Oumar Diakité. À gauche, Ghislain Konan. Le milieu à 3, c'est du grand classique avec Sangaré, Seko Fofana et Franck Kessier. Et puis devant, deux attaquants, Nicolas Pépé, Christian Kouamé. Quel sentiment sur ce 11, les amis, Didier? Alors, je pense que le coach a essayé de rassurer sa défense en passant à 3, en jouant avec un libéro, ce qui va permettre aux deux centraux d'aller dans le duel. Et je pense qu'il veut imposer un petit défi physique puisque la bataille du milieu va être farouche. La Guinée équatoriale est une équipe qui joue au ballon, qui aime toucher le ballon au milieu, qui aime bien redoubler les passes. Et là, il va falloir être agressif avec eux. Et puis, offensivement, on a des joueurs qui sont capables d'éliminer dans des 1 contre 1. Donc, l'objectif, ça va être de ne pas prendre de buts. Je pense que ce système est fait pour ne pas prendre de buts. Et pour pouvoir en marquer. Donc voilà, c'est une des options qui va être aujourd'hui entre les mains de Jean-Louis Gasset. Vous le savez, Wilfried, notre schéma de jeu préférentiel du côté des éléphants, c'est un 4-3-3 aujourd'hui. On a peut-être privilégié, effectivement, comme disait Didier, cette assise défensive. Ce schéma, qu'est-ce que vous en pensez? Quel poste peut-être vous allez suivre avec attention? Ou quel joueur? Je pense la bataille du milieu de terrain. Derrière, on est solide. Le milieu de terrain, si on arrive à garder le ballon, je pense qu'on peut les faire mal parce qu'on a des joueurs qui vont très vite devant. Et surtout qu'ils peuvent aller en profondeur, ce qu'on n'avait pas les deux autres matchs. Donc si on utilise bien les côtés et mettre dans leur dos, on peut les faire mal. C'est vrai qu'on parle de solidité, on parle de densité au milieu de terrain, mais j'ai le sentiment quand même qu'on a une équipe très offensive. Quand je vois Diakité, un attaquant qui est piston, Ghislain Konan qui se projette aussi pas mal, vous rajoutez les deux de devant, Nicolas Pépé et Christian Kouamé, ça fait 4 joueurs à minima à vocation offensive. Oui, c'est important parce que dès les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, il faut arriver à mettre le tempo. Il faut arriver à dicter le match et aussi mettre la pression sur l'adversaire pour pouvoir gagner déjà les premiers duels, à gagner le milieu de terrain et à les faire reculer le plus longtemps possible pour pouvoir marquer ce premier but qui va être très capital pour nous. Moi, il y a un joueur qui va m'intéresser, Didier, je ne sais pas pour vous, c'est Oumar Diakité. On est attaquant, on vous demande de jouer piston, c'est un poste qui requiert qu'on travaille beaucoup, aussi bien défensivement qu'offensivement. À votre avis, quelle a pu être la consigne que Jean-Louis Gasset lui a donnée avant de démarrer cette rencontre? Je pense que défensivement, il a certainement lui demandé de respecter le bloc équipe. Donc il a un positionnement à avoir au niveau du bloc défensif. Mais après, offensivement, je pense qu'il doit avoir libre cours à performer. Je pense que c'est quelqu'un qui va être, étant un attaquant, qui va être orienté, à aller vers le but. Donc c'est bien. Donc on aura des appels dans la profondeur, comme le disait Wilfried. Ce qui nous a un petit peu manqué lors des deux précédents matchs, c'est qu'avec Rasso, on avait un point d'appui, mais on n'avait personne qui plongeait derrière. Et Jonathan et Bamba et Ghislain Konan. Jonathan Bamba et Nicolas Pépé, par exemple. Ce sont des joueurs qui aiment recevoir le ballon dans les pieds. Alors qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui vont recevoir des ballons dans l'espace pour étirer cette équipe de Guinée équatoriale. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a manqué, j'en profite comme ça très rapidement, avant de parler aussi de cet adversaire et du fait qu'on connaisse bien cette équipe. Didier, selon vous, encore une fois, avec du recul, qu'est-ce qui nous a manqué sur le match contre le Nigeria? Je pense, je peux peut-être me tromper, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite
baisse de régime physique. Physiquement, je pense que les joueurs étaient rentrés. Mais il y a aussi cette bataille tactique qui a été imposée par le coach du Nigeria. Ce problème tactique auquel on n'a pas pu trouver de solution. On n'a pas pu résoudre ce schéma tactique, cette défense à 5, lorsqu'ils n'ont pas le ballon, qui ensuite se transforme dans un 4-4-2 ou un 4-3-3 pour jouer offensivement. Vous êtes du même avis ? Oui, oui. Surtout aussi qu'ils nous ont laissé jouer et ils ont joué sur le compte, ce qui est la force de l'attaquant de Napoli, Osimhen. Donc, quand c'est comme ça, et comme on n'avait pas de point d'appui fixe, on jouait latéralement. Et le fait de jouer latéralement, il nous attendait. Donc à chaque fois, on ne pouvait pas avoir Boga qui était très fort en 1 contre 1, dribbler quelqu'un, parce que chaque fois, il y avait une couverture. Et dans ce cas, c'est difficile, parce qu'il n'y avait pas de centre aussi pour alimenter Christian et Crasso. Donc on jouait un peu latéralement et ça nous a coûté ce but. Vous vous souvenez que la Guinée équatoriale, en tout cas beaucoup peut-être s'en rappellent chez vous, on avait démarré la dernière Coupe d'Afrique des Nations par une victoire justement face à cette équipe de Guinée équatoriale, et c'était avec l'un de vos anciens coéquipiers, Max Alain Gradel. La Guinée équatoriale, c'est une équipe joueuse, mais ce jour-là, on avait pris le meilleur sur eux grâce au tueur de Lyon. On va dire que quand vous pensez à cette équipe, vous vous dites quoi ? Que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe disciplinée. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Aujourd'hui, je pense que cette équipe-là regorge quelques joueurs de cette CAN, quelques jeunes, et aujourd'hui, il faut aller dans l'intention de les presser. Ça ne va pas être facile parce que cette équipe-là joue et cette équipe-là n'a pas peur. Mais nous sommes chez nous à la maison avec le public. Il faut dès les premiers instants leur faire savoir que nous sommes chez nous et il faut mettre le paquet pour pouvoir arriver à les déstabiliser dès les premiers instants. C'était un but magnifique à l'époque en janvier 2022 de Max Alain Gradel. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Didier, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi vous avez dit d'entrée de jeu, d'entrée de plateau, que vous avez le sentiment que ces joueurs ne sont pas très confiants? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas très confiants. J'ai juste dit que dans des moments comme ça, il faut aller chercher la sympathie du public. Il faut, avant l'échauffement, là, vous savez, juste aller saluer un peu tout le monde. C'est très important parce qu'on prend tout de suite la température. Et ça nous oblige quelque part à être performants sur le terrain ensuite. C'est très important. Je pense qu'ils sont concentrés, ils sont confiants. Ils sont confiants. Je pense que le coach a confiance en eux. Nous avons confiance en eux. Maintenant, il faut ce petit déclic. On parle de commando depuis quelques mois. J'ai envie de voir un commando ce soir. Ouais, vous avez l'impression, enfin, j'essaie de traduire encore une fois vos propos. Vous avez l'impression qu'on, c'est vrai qu'on est concentré, mais il faut un petit peu s'ouvrir aussi et communier avec le public un peu plus. C'est ça ? Non, moi je ne leur fais pas de reproche. En tout cas, non, c'est pas un reproche, mais en tant que joueur, et je pense que Wilfried le sait, ce que j'aimais c'était ça, c'était d'aller me mettre dans des challenges, dans la difficulté, en allant booster le public, et parce que derrière ça t'oblige à performer. Bon, moi c'était ma force. Je pense que Didier veut dire, il faut l'apport du public dès les premiers instants à gagner le premier duel, faire la bonne passe, shooter premier au poteau. Et tout ça, c'est le public aussi qui te pousse à le faire. Donc quand tu mets le public à ta sortie, quand tu mets le public dans ton dos, après tout devient un peu plus facile. Parce qu'avec le public, on peut faire des choses, et plus de choses. D'accord, un peu plus de choses, effectivement. Et ce public arrive tranquillement, mais sûrement dans le stade. Je pense qu'en termes d'affluence, on aura un peu moins de monde que face au Nigeria. Malgré tout, il y a une chaleur importante. Je me permets de me projeter sur les envies des supporters. Là, on joue clairement la qualification aujourd'hui. Il faut une victoire. Mais évidemment, on est conditionné par le résultat du Nigeria face à la Guinée-Bissau dans le même temps. Ça, c'est du côté du Félicia. Est-ce que vous êtes plutôt Ebempe ou Félicia ? Parce que certains disent qu'il y a une ambiance différente du côté du Félicia. Bien sûr, je peux dire, on va souhaiter Félicia parce que c'est là où on a joué plus de matchs. Et c'est là où on a le public, la chaleur du public. Ici, c'est plus grand, mais on a la chaleur du public. On sent vraiment le public avec nous dès l'échauffement. Et dès les premiers instants, c'est le Félicia reste le Félicia. Didier, moi je connais votre réponse, mais j'ose vous poser la question. Bon. On ne devrait même pas la poser. Non, je pense que... Alors ça, c'est une petite touche affective. C'est vrai que le Félicia a une saveur particulière. Pour moi, c'est un stade particulier, c'est une bonbonnière. C'est un stade où j'appelle ça le palais de justice. Là, c'est ça passe ou ça casse. Tu viens, tu performes, tu peux être le roi du pétrole. Ou alors, on ne te revoit plus.
Donc c'est vraiment un stade qui est très exigeant. Mais les plus belles heures de la Côte d'Ivoire ont été écrites là-bas. Mais je pense que le futur de notre pays, de notre équipe nationale, s'écrira ici. Regardez ce stade qui est aux normes internationales, qui répond à tous les critères. C'est ici qu'on doit écrire la suite de l'histoire de ce pays. La bonbonnière du Stade Félix Houphouët-Boigny ou le Stade Olympique Alassane Ouattara, quel sera notre prochain terrain de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? On le saura après les 90 minutes de ce Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. La pause avant de parler d'une langue nationale. A tout de suite. On est de retour du côté du Stade Olympique Alassane Ouattara d'EBMP. Quel plaisir d'être en plein milieu de, ce n'est pas la bonbonnière, mais en tout cas une arène qui fait plaisir. L'avenir de la sélection de Côte d'Ivoire, pour vous paraphraser mon cher Didier Drogba, à mes côtés également Wilfried Bonny. D'ailleurs, il y a eu un échange sympa tout à l'heure avec Max-Alain Gradel qui est venu vous saluer, les grands frères. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Didier, alors? Qu'est-ce que vous avez échangé comme mot? Non, il est simplement venu nous saluer et on leur a simplement dit qu'il faut se bouger, il faut y aller, on est derrière eux. Quoi. C'est ce que vous lui avez dit également, Wilfried? Oui, bien sûr, il le faut, et surtout qu'il reste concentré. Restez concentré, restez focus face à un adversaire redoutable. Le Nzalang National, équipe qui est capable de faire tomber des gros morceaux. Parfois même, un peu, on peut même parler de tueur de lion, pour faire la comparaison avec Max-Alain Gradel. Une équipe qui va jouer dans un schéma assez classique, avec un joueur qu'on va suivre avec attention. Regardez le schéma aligné par le Nzalang National. On va suivre un certain Emilio Unsué. Pourquoi je vous parle de ce joueur? C'est parce que c'est un joueur qui a tout simplement marqué le seul triplé dans la compétition, qui est le joueur le plus capé, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, excusez-moi, le joueur le plus capé, et également le joueur qui va... Pardon Didier, vous voulez dire quelque chose? Non. on écoute les statistiques, on écoute. Allez, surprenante parfois. Bon, très bien. Avec le bruit, avec l'ambiance, je me perds un petit peu dans tout ça. Je vous le disais, on va voir le 11 de départ d'abord du Nzalang National, une équipe évidemment qui va venir essayer de faire tomber les hommes de Jean-Louis Gasset. C'est une équipe qui est habituée aux surprises. Encore une fois, par exemple, mon cher Wilfried, on se rappelle que lors de la DR CAN, on a éliminé le Mali. Si je parle d'une équipe qui joue un petit peu de façon latine, qui a un jeu léché, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, après, c'est un peu les Espagnols, hein, ils sont ouverts au jeu, ils veulent jouer, et souvent quand ça devient physique, ils essayent de répondre. Donc si on met plus d'intensité, plus d'agressivité et on contrôle le match, on va les priver des ballons et ça va être compliqué pour eux. Didier, vous êtes du même avis? Entièrement d'accord avec Wilfried. C'est une équipe qu'on a jouée en 2012. C'est une équipe et on a gagné ce match parce qu'on a vraiment imposé un rythme physique énorme et en plus de la technicité. Et lors de la dernière CAN, les joueurs ont remporté ce match justement parce que non seulement ils ont répondu aux défis physiques, mais en plus ils ont mis une réelle pression à cette équipe qui aime bien redoubler de passes. Donc c'est ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, mettre de l'intensité. Le Nzalang National, je vous le disais, dans un 4-1-4-1 donc. Avec une équipe qui a dominé, vraiment, si on se souvient du match face à la Guinée-Bissau. Il n'y a pas eu photo avec un triplé d'Emilio Unsué. Dans un instant, on va parler du capitaine, en tout cas l'un des joueurs les plus expérimentés de cette sélection. Mais clairement, on a reconnu un petit peu ce qu'on avait vu lors de la dernière CAN. C'est une équipe qui ne tremble pas, c'est une équipe qui se fait confiance et qui joue, qui essaie de développer le meilleur jeu possible. Et l'équipe veut imposer son rythme de jeu et ça ne va pas changer, quelles que soient les difficultés qui s'opposeront à eux. L'équipe voudra toujours poser le ballon, redoubler les passes, jouer sur la troisième personne, jouer en profondeur et puis faire plaisir au public en se faisant plaisir elle-même. Donc je pense que ça, le jeu ne changera pas. Il faut seulement qu'on puisse le contrer le plus longtemps possible et pour pouvoir les presser. Faire plaisir au public pour le Nzalang National, faire plaisir à son public. Faire plaisir aux supporters qui se sont déplacés, se faire plaisir soi-même. Je pense que c'est peut-être la meilleure position hein, quand on est dans la peau des équato-guinéens. Pardon. On joue sans pression, on est face à un adversaire qui est à domicile et on se dit, voilà, on va jouer sans se prendre la tête et essayer de créer l'exploit. C'est ça? Alors, on ne joue jamais vraiment sans pression parce que lorsqu'on se retrouve sur un terrain de football, il y a toujours des gens qui nous regardent, il y a toujours des téléspectateurs ou des spectateurs. Donc il y a une certaine pression. Et la Guinée équatoriale est en constante progression. Et pour eux, c'est le match de la qualification. Donc ça ne sera pas un match facile.
Ils vont l'aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, je pense. Et ça ne sera pas un match sans pression. Attention, les données ont changé hein, depuis quelques temps dans le football. Il n'y a plus de petites équipes, on ne cesse de le répéter. On le voit depuis le début de ce tournoi. Donc il va falloir être très, très, très concentré et très vigilant et respecter cette équipe de Guinée équatoriale. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, on n'a pas d'inquiétude et on a surtout beaucoup d'expérience aussi dans cette formation de la Guinée équatoriale avec un joueur en tête, Emilio Nsoué. Il a inscrit un triplé dans ce match face à la Guinée-Bissau. Et je le rappelle, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. 20 buts. Il va devenir le deuxième joueur avec ce match le plus capé de l'histoire de la sélection. 43 sélections aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est sa troisième CAN. Il était là en 2015. Il est là en 2021. Et il vient donc pour ce troisième tournoi continental ici en Côte d'Ivoire. Lui, il sait ce que c'est de jouer des CAN. Et j'imagine, il sait ce que c'est aussi. On en a parlé tout à l'heure avec notamment la qualification face au Mali, au Cameroun. Il sait ce que c'est que d'aller chercher des gros morceaux et développer son jeu, le jeu équato-guinéen. Effectivement, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, contrairement à notre charnière défensive, charnière centrale qui démarre, qui elle démarre, qui a un peu moins d'expérience que lui. Mais je suis confiant. Je suis confiant. C'est vrai qu'il faut, faire face à ce talent, faire face à cette expérience. Mais je pense que le groupe qu'on a, le 11 de départ, est suffisamment solide pour répondre aux problèmes que vont poser cet attaquant. Bon, si vous êtes confiant, je vous demande simplement, pronostic rapidement, avant d'aller vers le match, pronostic sur ce match. 2-0. Pareil, 2-0. 2-0 ? Bon allez, je fais 2-0 aussi. Comme ça, on est aligné sur le même trio offensif. Allez, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, ça va démarrer dans un instant sur NCI. À tout de suite. Annoncé tout à l'heure, est-ce que c'est une compo qui vous rassure ? Wilfried. Oui, ça me rassure un peu, ça me rappelle un peu 2015. Une bonne défense, c'est solide. Il y a Bolé qui fait son entrée. Il fait une bonne saison à Nottingham. Au milieu, c'est costaud. Il y a Franck, il y a Sangaré. Devant, il y a le jeune Diakité qui est très percutant, qui est remuant, qui provoque beaucoup. Je pense que c'est une très bonne formation. Oui, c'est Joël. Ben, écoutez, faisons confiance à Jean-Luc Gasset, voilà, qui a fait confiance au 11 de départ. Moi, je pense que c'est une formation voilà, qui me paraît logique et juste. Maintenant, dans l'animation, ça va dépendre de nos jeunes frères. Voilà, avec cette équipe, trois attaquants, on a nos trois milieux habituels qui vont donner beaucoup de ballons, surtout aux jeunes d'Aquité, pour percuter. Oui. Et nous voyons que dans cette compétition, les pénaltys sont légion. Et donc, pour moi, il va falloir chercher la surface de réparation. Surtout, si les ballons sont sur le côté, il faut qu'il y ait du monde à la surface de réparation. Pour voilà, le ballon peut revenir, il peut avoir un plat de pied, etc. etc. Je pense que la formation est très bonne pour moi. Alors, on en parlait tout à l'heure hein, du retour annoncé de Haller et Adingra. Bon, vous aviez raison en disant qu'ils ne seraient pas alignés d'entrée. Hein. Alors, finalement, à quel moment vous pensez qu'ils vont rentrer dans cette rencontre ? Je pense qu'il y a plus de chances pour Adingra de pouvoir entrer que Sébastien Haller. À quel moment ? Je ne sais pas, ça va dépendre de la physionomie du match. Mais déjà, pour revenir à cette composition très rapidement, c'est un 3-5-2 en phase offensive qui se transforme en 4-3-3 en phase défensive. Mais je pense qu'en mettant Diakité et Pépé autour de Kwame, Jean-Luc Gasset a fait le même constat que nous, c'est que c'était beaucoup statique devant face au Nigeria. Il a voulu apporter beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de mouvement. Et Kwame également, qui avait été aligné sur le côté contre le Nigeria, pas tellement à son avantage, a été replacé dans son poste de prédilection, c'est-à-dire l'axe, entouré de Diakité et Pépé qui vont beaucoup bouger sur les côtés et essayer de le servir en ballon. Donc, a priori, hein, au vu de cette compo, on devrait avoir un match beaucoup plus animé hein, offensivement que celui qu'on a eu face au Nigeria. Bien sûr, puisque là, il y a Diakité qui rentre, il y a Pépé aussi. Pépé aussi qui percute beaucoup. Donc, je pense qu'on aura autant d'occasions. Eh bien, c'est tout ce qu'on fait, oui. Oui, et ce qui est intéressant, on a nos trois milieux derrière ces garçons-là qui se projettent aussi. Beaucoup, c'est ça. Et il y a Seko, il y a Kessier, il y a Sangaré. Et lorsque les ballons reviennent, ils ont cette capacité-là à les mettre de gauche à droite dans les lucarnes. Je pense qu'on a vraiment de quoi être heureux
cet après-midi. Bon, et effectivement, il va falloir avoir un œil, hein, un œil vraiment très attentif sur Nsue. Nsue, 35 ans, qui a marqué un triplé, hein, lors de son dernier match. Comment vous expliquez justement sa constance malgré son vieil âge, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce oui, que effectivement, entre guillemets, parce qu'on a dans l'équipe des éléphants deux ou trois joueurs qui sont plus âgés que lui. Mais qu'est-ce qui explique sa longévité? C'est un attaquant, moi, au style qui me plaît bien, voilà, qui allie à la fois une puissance physique à une intelligence de jeu, de placement, de déplacement également. Et on l'a vu lors de son triplé face à la Guinée-Bissau. Franchement, ça sera un gros morceau, un dur à cuire pour Ndika et Diomandé cet après-midi. J'espère que leur inexpérience combinée à sa grosse expérience à lui ne nous fera pas défaut. Mm-hmm. Oui, un mot sur Nsue? Je pense que c'était un grand attaquant. Il a fait la sélection des jeunes en Espagne. Il a beaucoup d'expérience, il est beaucoup malin. Ouais. Et surtout, il est bien servi derrière par des Ibanedou, Ganet, Bikoro dans le milieu de terrain. Voilà, c'est une équipe qui est équilibrée, complémentaire pour moi, où il n'y a pas vraiment de gros stars. On parle beaucoup de lui, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment cette immense star qui sort du lot. Mais c'est un bon groupe bien soudé. Oui. Et comme le dit Nasser, il est beaucoup alimenté par ses milieux de terrain. Donc, il faut casser les dernières passes. Ça. Voilà, vers lui. Et je pense que s'il n'a pas beaucoup de ballons, ben, il ne pourra pas faire un triplé. Voilà, donc il faut freiner vraiment tous ces ballons-là de ces milieux de terrain qui lui donnent vraiment beaucoup de ballons. D'accord. Bon, ben, de toute façon, on verra ça dans quelques instants, puisqu'il va falloir qu'on prenne la direction du Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe pour la première période entre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Nous, on se retrouve à la mi-temps. À tout à l'heure. Malheureusement, donc, voilà. D'accord. Bon, allez, on n'a pas fini de décrypter hein, cette première période. On laisse passer une toute petite page de publicité. On se retrouve dans un instant. Ah oui, c'est une ambiance assez lourde, assez angoissée d'ailleurs. Hein, je dois vous l'avouer, sur le plateau de NCI Sport Live, puisqu'à la mi-temps, la Guinée équatoriale mène la Côte d'Ivoire. Donc 1-0, but inscrit par Nsue. Et nous sommes ici avec les consultants, avec Nasser Eddy, avec Thierry Joël et avec Wilfried Canon, et bien pour décortiquer cette première période. Alors Thierry Joël, vous disiez que vous étiez assez frustré quand même hein, au regard de cette première période, malgré les belles occasions qu'il y a eu. C'est vrai qu'on a eu, on a dû avoir des problèmes dans la finition. Voilà, moi, en deuxième mi-temps, franchement, je sors Pépé. Je fais rentrer Crasso, qui est un véritable attaquant de surface, voilà, pour pouvoir recevoir les ballons et mettre les ballons au fond des filets. Vous êtes d'accord, Wilfried Canon? Pas trop. Pas trop. C'est mon avis. Je pense qu'il faut, il faut redoubler encore d'efforts. Pépé, c'est quelqu'un qui percute beaucoup. Il provoque beaucoup. Donc, je pense que avec les consignes du coach, on peut revenir au score et on peut avoir la victoire, je pense. Bon, alors qu'est-ce qui explique hein, justement ben, ce plein d'occasions et puis finalement aucune d'entre elles qui ne se concrétise? Mais peut-être qu'on a des buteurs pour le coup qui sont alignés, qui ne sont pas en confiance. Tout simplement, c'est Christian Kouamé et c'est Pépé, c'est eux qui sont chargés là de marquer. C'est peut-être dû à ça aussi. Après, je pense qu'il y a bon, c'est vrai, on loue hein, plein d'occasions, mais en termes d'occasions franches, vraiment, on a eu beaucoup de velléités, mais il ne faut pas qu'on confonde des opportunités, des velléités d'occasion avec des occasions vraiment franches. J'en ai pas vu plus de deux, je pense, vraiment en termes d'occasions. Donc, il va falloir, surtout dans l'avant-dernier geste aussi du côté de Diakité et de Pépé, essayer d'améliorer la technique. D'accord, très bien. Allez, les joueurs sont en train de sortir. On y retourne à Ebimpe pour la deuxième période. À tout à l'heure. C'est difficile. C'est le genre de soirée cauchemardesque, mais il faut en tirer des enseignements. La Côte d'Ivoire est quasiment éliminée. C'est vrai, il y a encore la réflexion du meilleur troisième. Mais avec cette défaite 4-0 à la maison à Ebimpe pour le dernier match de la phase de poule, on peut le dire, les carottes sont quasiment cuites, pour ne pas dire déjà cuites. Je suis toujours avec Didier Drogba et Wilfried Bonny. Didier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à chaud comme ça? Pour accompagner les joueurs, on ne l'encourage pas non plus. Il y a des jets de bouteilles sur certains joueurs. Il y a de la tristesse, Wilfried, mais la même question qu'à Didier. Qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme conclusion? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas mesuré l'enjeu du match.
en ce qui concerne l'engagement, l'agressivité. On a été un peu passif. On a joué comme si on avait des matchs à jouer encore. Et le plus décevant, c'est qu'on ne s'est pas vraiment créé d'occasion. En première mi-temps, on n'a eu qu'une seule frappe, ce qui a mené le but. Malheureusement pour nous, c'était vraiment à travers et c'est dommage pour nous. Et il y a une chose que vous soulignez tout à l'heure, hors plateau, dans le choix de Jean-Louis Gasset d'aligner un 3-5-2 et donc devant Christian Kwame et Nicolas Pepe, bah, le fait que, par exemple, mettre Nicolas Pepe dans une position de véritable attaquant alors que c'est un ailier, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre. Oui, bien sûr, parce que voilà, on a un Christian qui garde pratiquement, qui déviait pratiquement beaucoup de ballons, mais il n'a eu aucun centre devant le poteau. Et en plus de ça, on avait déjà 5 joueurs au milieu et Pepe qui descendait aussi pour venir prendre le ballon. Donc ça dézonnait, ça laissait les quatre défenseurs libres contre un seul attaquant. C'est facile pour eux de manager et surtout qu'ils n'avaient pas peur. Donc il posait le ballon. Mais Wilfried, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, qui sont nos joueurs créatifs? Qui crée le jeu? Qui pouvait créer le jeu? Donc quelque part, Nicolas Pepe, ne recevant pas les ballons dans les conditions qu'il espérait, il était obligé de décrocher pour essayer de retoucher, se redonner un peu confiance et montrer que j'ai besoin de recevoir des ballons. Tu es d'accord avec moi? C'est son jeu. Nicolas Pepe, voilà. C'est quelqu'un qui est bon balle au pied, que d'appeler en profondeur. On avait Crasso qui lui n'a pas débuté. Et on a vu directement quand il est rentré et il a marqué. Parce qu'il est bon dans le box. Donc on l'utilise dans le box. Après l'autre, il est bon quand il vient au jeu, quand il vient au ballon, quand il fait face à l'adversaire. Mais là, il était dos au poteau, dos au but. Et chaque fois, dans son jeu, normalement, inconsciemment, il décroche et il vient chercher le ballon. Et c'est ce qu'il fait de mieux et c'est dans quoi il est bon. Est-ce qu'on peut souligner le fait, Didier, qu'il y avait comme un manque de confiance dans cette équipe? J'entends avec les changements de système. On avait un 4-3-3 au départ. On a changé sur le deuxième match, on rechange sur le troisième. Non. Par contre, ce sont mes jeunes frères, je ne peux pas leur trouver d'excuses sur le point de vue de l'animation tactique. Ce sont des autres qu'ils voient en club tous les jours. Ils font face à des oppositions de style tous les jours. Donc, ils ont les clés pour animer ce système de jeu. À ce niveau-là, on n'est plus à oui, mais est-ce que ils ont gagné des matchs comme ça? Donc, ils ont déjà joué dans ce système. Ce n'est pas ça qui a à remettre en question. Je pense que ce qu'il faut remettre en question aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement de nos jeunes frères. Je pense qu'ils avaient envie, mais ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Et ça, il n'y avait pas d'agressivité offensive ou défensive. Et l'agressivité, ce n'est pas forcément d'aller faire faute. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup de vista, si on peut dire. Et eux l'avaient. Vous avez vu le numéro 6, à chaque fois qu'on le touchait, il était par terre. Parce qu'on mettait la pression. C'est ça, c'est l'expérience, c'est la vista, c'est l'expérience des Coupes d'Afrique des Nations. Ils en ont 2-3 d'Afrique. Et nous, on a des joueurs qui sont à leur première seulement. D'autres, c'est simplement leur deuxième. À part Mas Gradel et peut-être Serge Aurier et peut-être d'autres que j'oublie, Badra. Mais on va apprendre. C'est de ces douleurs-là que naissent les belles victoires, j'espère. Et les échéances arrivent forcément à grands pas. Les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, déjà en 2025. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, à partir de mars, puis l'été prochain avec un match notamment ici même peut-être face au Gabon. Apprendre l'avenir et forcément... Il y avait un objectif qui était assigné à Jean-Louis Gasset, qui est clair, qui est connu de tous, Wilfried. Demi-finale minimum. Et aller gagner forcément cette Coupe d'Afrique des Nations. La question de son avenir va se poser. Bien sûr, parce que jouer chez nous à la maison et sortir de cette manière, c'est difficile pour l'équipe, c'est difficile. Vous voyez les supporters qui sont fâchés. Et nous aussi derrière, on est comme des supporters aujourd'hui, tu vois, on a été sur le terrain. Et perdre dans ces conditions-là, à la maison, jouer une canne à la maison, c'est difficile. Et effectivement, quand ça ne va pas, la première personne qui a été touchée, c'est le coach. Donc on comprendra. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on a montré sur le terrain. Et on n'a pas été dans le coup. On n'a pas été engagé, comme Didier l'a souligné. Et c'est vraiment dommage parce que ces genres de matchs, si il faut, avec le public, on aurait dû mettre au moins, même si on perdait, mais vraiment avec la motivation, avec l'envie d'aller faire mal à l'adversaire, et on a manqué ça quelque peu dans certaines actions. Didier, un dernier mot pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour cette sélection nationale de Côte d'Ivoire, pour conclure.
Difficile de trouver le mot juste. Écoutez, il va falloir se remettre au travail. Il va falloir se remettre au travail, se poser les bonnes questions. Non seulement se poser les bonnes questions, mais prendre les bonnes décisions pour le football et que du football. Pour le football et que du football. Parce qu'aujourd'hui, une nation comme la Côte d'Ivoire ne veut pas organiser une telle compétition. Bien sûr, elle peut sortir de cette compétition aussitôt qu'elle est sortie aujourd'hui. Mais de cette manière, il y a un véritable problème. Des questions à se poser forcément. Merci Didier, merci Wilfried. Merci. On est à la conclusion de ce plateau, mais évidemment, le football continue avec Ghana-Mozambique. Les supporters ghanéens sont déjà là. Ils sont venus nombreux pour soutenir les Black Stars qui jouent leur qualification. C'est le prochain match sur NCI. Et puis, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 continue sur NCI. Malheureusement, sans les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais c'était un plaisir d'être avec vous dans cette petite soirée. On se dit à très vite. Voilà, nous aussi, hein, on va débriefer avec les consultants, avec Nasser Eddy, avec Wilfried Canon et avec Thierry Joël. Cette défaite, cette débâcle des éléphants de Côte d'Ivoire, ce sera juste après la pub. Voilà, c'est la douche froide hein, ici en plateau. La Côte d'Ivoire qui vient donc de se faire, humilier, hein, en perdant 4-0 face à la Guinée équatoriale. Alors, on a juste le temps de faire un petit tour de table. Thierry Joël, impression comme ça à chaud? Impression à chaud. Félicitations à la Guinée équatoriale qui a su déjouer nos plans, qui a eu des opportunités, qui a été réaliste. On a eu, peut-être 100 occasions de but. Malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. Comme Didier l'a dit tout à l'heure, pensez à l'avenir, oubliez ça et puis voilà, allez de l'avant pour les prochaines échéances. Wilfried Canon? Un peu déçu. Oui, on vous sent particulièrement touché et affecté. Oui, je ne m'attendais pas à ce genre de score. C'est difficile, je ne sais pas quoi dire. Il faut féliciter la Guinée équatoriale qui a su mobiliser les occasions. C'est une Coupe d'Afrique, c'est difficile. Tu n'en gagnes pas 5, tu n'en gagnes pas 4. Donc, quant à les occasions, à la première mi-temps, Christian Kwame, deuxième mi-temps pareil, il faut les mettre dedans. Il faut les mettre dedans parce que c'est comme ça, le football, il est cruel. Surtout une Coupe d'Afrique comme ça, n'importe quelle équipe peut te battre. Donc je pense qu'il faut s'encourager, il y a des échéances à venir et voilà. Nasser Eddy, ce sont des choses qui arrivent, hein. Être éliminé, enfin on ne l'est pas encore, hein, mais en tout cas... sortir d'une compétition comme ça, mais la manière, parlons-en de cette manière. Effectivement, c'est la manière qui interpelle et le quatrième but équato-guinéen est l'illustration parfaite de la différence du manque de volonté d'engagement. Parce que quand vous voyez le ballon qu'il prend l'équato-guinéen de son camp dans le premier duel déjà face à Seko Fofana, qu'il devance au forceps à la volonté comme ça et qui fait toute cette course pour aller... ensuite, servir son coéquipier marqué, on ne peut que se dire que... franchement, ça ne serait pas très dur de dire ce soir que c'est une faute professionnelle et qu'une défaite, ça arrive, mais j'ai le sentiment qu'on a été trahi ce soir. Très bien. Bon, de toute façon, on aura l'occasion hein, de décortiquer, d'analyser hein, cette défaite un petit peu plus tard. On va remercier Wilfried Canon, on va remercier Thierry Joël, puisqu'on va nous-mêmes hein, se concentrer sur la rencontre qui suit, à savoir Mozambique-Ghana. Et d'autres consultants vont arriver. Je vous garde avec moi, Nasser Eddy. D'accord. Plaisir. Allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.